Consternation à Grande-Rivière-Sud-Est ce jeudi 25 janvier. Le corps sans vie d'un ancien caporal, Krishna Dutt Ramchan, a été découvert à son domicile. Selon ses proches, il ne donnait plus signe de vie depuis dimanche. L'auteur de ce crime, son propre fils, Rony Ramchan. Le jeune homme de 26 ans serait d'ailleurs passé aux aveux. Actuellement en détention, il sera traduit devant la justice demain. Deepak Ramchan, un des frères de la victime, s'est confié à l'Express. Bon, moi, je vais travailler. Ma madame, je suis venu pour moi, nouvelle. Une heure, deux heures, une heure comme ça. Je ne m'en rappelle pas rappel. Quand dernière fois, on fait une soirée nos frères ou bien même au Neve? Oui, mon frère, mon ami, vendredi. Ouais, vendredi, mon ami. Il y a une petite cause que j'ai à moi. Je ne passe trop bien le temps, mais. Une cause un petit peu, ma cause un frère, une cause. Je vais aller dans l'air, puis on va en retourner encore. Parce que mon patron Mingle, lui, il reste là, puis parfois quand nous jeunes comme ça. Mais est-ce qu'il y a aucun moment où il cause une difficulté avec ce garçon dans cette, enfin, dans cette relation? Non, 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 on n'est pas dans affaire, il ne pas raconter moi. Nous, on cause que nous avons causé. Il dépend de moi. Non, on ne va pas rappeler de moi, on cause de ce garçon, tout ça. Il dépend de moi, quand affaire, on dit bien, gay, c'est correct. Thank you.